아침 시간 또낮 시간 밤 시간에 대한 얘기를 했습니다. J'ai parlé de la matinée, la journée et la soirée. 이제는 영혼을 살리는 기도입니다. Il faut faire la prière pour raviver l'âme. 창세기 1장 27절이 뭐냐? Qu'est-ce que c'est Genèse 1:27? 창세기 1장 27절을 정의하라면요, 요게 참된 사람입니다. C'est vraiment la, le vrai homme, Genèse 1:27. 하나님의 형상을 심은 겁니다. Et Dieu a donné l'image de Dieu en l'homme. C'est ça, 네, le vrai homme. 이거 없으면 짐승입니다. Sinon, c'est des animaux. 사람이라도 짐승하고 똑같아요. Et nous sommes des hommes, mais si nous n'avons pas l'image de Dieu, nous sommes comme des animaux. 영이, 영혼이 죽어버렸단 말이에요. Donc l'âme est morte, l'esprit est mort. 짐승처럼 먹는 거면 다니까. Donc les gens n'ont 사람 pas de 죽이서라도 돈 뺏어오고 이렇게. De manger. Et puis ils vont se détruire entre eux à cause de ça. 딱 그대로 뭐 짐승 수준이죠, 그냥. Ils sont au niveau des animaux. 짐승들은 먹는 것밖에 몰라요. Les animaux ne pensent qu'à manger. 그러니까 자기 애를 태워 가지고 사고내서 보험금도 타려고 하고. Yeah, des parents. 짐승이 또 수준이 그냥. Et créent un accident de voiture et puis avoir de l'argent de l'assurance. Au niveau des 그래서 animaux. Même pire que des 인간이 animaux. 뭐냐? 하나님의 형상 닮은 게 인간이에요. Et l'homme est fait à l'image de Dieu. 그렇기 때문에 창세기 1장 27절은 굉장히 중요해요. Donc Genèse 1:27 est un verset 네. très important. 이 부분을 살리는 망대를 세워. Il faut construire la tour pour sauver et raviver l'âme. 이게 우리 렘넌트들이 해야 될 첫 번째 일입니다. C'est ce que les remnants doivent faire en premier. 여러분이 기도가 뭔지 알면 si vous connaissez la prière, 하나님의 나라가 뭔지 vous allez comprendre le royaume de Dieu aussi. 그래야 영원 초월도 된다고 nous, 얘기했습니다. Nous pouvons transcender le temps et l'espace avec ce mystère. 하나님의 나라 임하면 si le royaume de Dieu vient, ça devient la plateforme. 그렇지 않고는 플랫폼이 될 수가 없습니다. Alors sinon, ça peut pas devenir la plateforme. 그리고 말씀의 핵심은 글자가 아니고 성삼위 하나님이 역사하시고. L'essence de la parole, c'est pas des lettres, c'est l'œuvre de Dieu trinitaire qui agit. 그렇죠. N'est-ce pas? 이러면 빛이 나타나기 때문에. C'est comme ça que la lumière. 파수대가 만들어져요. Va agir, c'est comme ça va devenir la tour de garde. 예, 하나님 자체가 말씀이고 빛이라고 했어요. Dieu lui-même est la parole et la 그렇죠. lumière, n'est-ce pas? 그리고 이게 말씀입니다. C'est ça la parole. 말씀이 육신을 입었다 그리고요. Alors la parole. 하나님은 곧 말씀입니다. 말씀이 곧 하나님. Dieu est la parole. La parole est Dieu. 아주 그 요한복음의 표현을 잘했어요. Et c'est bien expliqué dans le livre. 이 말씀이 빛으로 오셨다. L'évangile de Jean, donc. 그 빛이 그리스도다. C'est la lumière et le Christ. 그래서 영접하는 자 그 이름 믿느냐 하나님의 자녀가 되는 권세. Alors à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 이것만 누리고 있으면 증거가 생겨요. Alors vous allez avoir des évidences si vous vous réjouissez de cela. 그렇죠. N'est-ce pas? 증거가 생기면 저절로 나는 증인이 되는 거예요. Donc vous allez devenir les témoins naturellement. 그러면 다른 사람에게도 소통이 될 수 있어요. Alors donc vous pouvez vraiment communiquer ça avec les autres. 그래서 안테나라고 하는 겁니다. C'est ce que nous appelons l'antenne. 요 세 개가 만들어지면 Ces trois choses ensemble, ça devient la tour. 또 망대가 있어야. Il faut avoir la tour 거죠. pour construire la tour, pour construire ces trois choses. 이거 살리는 것이 망대입니다. Vous devez vraiment graviver le royaume de Dieu. Dieu comme la lumière et les témoins, ça, pour que ça devienne la tour. Rappelez-vous ce fait. 창세기 1장 27절에 배경을 좀 봐야 되겠지. Il faut voir l'arrière-plan de Genèse 1:27. 하나님의 형상을 회복하는. Il faut restaurer l'image de Dieu. 원래 인간을 회복하는 거예요. Il faut restaurer l'homme originel. 그리고 하나님이
처음부터 원래 주셨던 능력을 회복하는 거예요. Il faut restaurer la puissance qu'il nous avait donnée à l'origine. 네, 굉장히 중요하죠. N'est-ce pas, c'est important. 그러고 창세기 2장 7절에는 또 생기를 Genèse 2:7, il nous a donné le souffle de vie. 이 말은 완전히 창조의 능력을 회복하는 것이죠. De restaurer la puissance de la création. 그리고 완전히 에덴의 축복 회복하는 것이죠. De restaurer la bénédiction du jardin d'Éden. 창세기 2장 7절이 그래서 중요합니다. C'est pour ça que Genèse 2:7 est très important. 완전히 여러분의 기도에 생명력을 회복합니다. Il faut vraiment restaurer la vitalité à travers la prière parce qu'il nous a donné le souffle de vie, c'est pour restaurer la vitalité à travers la prière. C'est ça, c'est ça qui est important. 그러고 창세기 2장 18절에는 Genèse 2 많은 배경이 있습니다. Il y a beaucoup d'arrière-plan, mais Adam, 하와, Ève, 가정 이렇게 et la famille. 그래서 아무것도 아닌 얘기처럼 보이지만 ça semble être pas très important, mais en fait ces trois éléments sont importants. 시스템이죠, c'est le premier système, c'est la famille. 예, 제일 처음 주신 사회입니다. Et c'est la première société que Dieu avait créée. 요걸 알고 사단이 공격을 했죠. C'est comme ça que Satan a attaqué la famille. 지금도 그렇습니다. C'est comme ça. 예, 그렇기 때문에 렘넌트들은 가정 환경 상관없이 여기에서 근본적인 여러분 사명 깨달아야 돼요. C'est là que vraiment vous devez trouver la commission de restaurer la famille. 뭐 어떤 면에서는 여러분들이 결혼한다 하는 거는 뭐 사랑이라는 게 포함돼 있지만 네, vous mariez, le mariage, c'est l'amour, mais d'abord avant ça, c'est la commission. 이거 살리는 사명이라니까. Il faut restaurer. 아, 여러분 집이 좀 이상하다. L'homme originel et la famille. Votre famille est bizarre. Vous avez la commission de restaurer la famille. 부모님 보고 상처받을 게 아니고 사명을 깨달아. C'est pas la peine d'être blessé par les parents. Il faut trouver la commission. Qu'est-ce qui est plus normal? 시험 받고 상처받는 게 맞습니까? 사명 깨닫는 게 맞습니까? 사명 깨달아야지. Alors il faut trouver la commission à l'école au lieu d'avoir des cicatrices. 이게 모든 응답의 시작입니다. C'est le commencement de toutes les réponses. 저는 우리 집에서 자라면서 세 가지 깨달았어요. J'ai compris trois choses en grandissant dans ma famille. 가난, la pauvreté, la maladie, 무능, et l'incapacité. 이 세 가지 봤거든요. J'ai vu ces trois choses. 어른들 통해서 봤어요. À travers les adultes, j'ai vu ça. 뭐 우리 집에서 직접 체험했어. C'est ce que j'ai expérimenté dans ma famille. 나는 이 세 개 박살내기로 했어요. J'ai décidé de briser ces trois choses. J'ai réussi à le faire. 그래서요. 뭐, 진짜 이 세 개는 응답으로 되게 왔어요. Alors, c'est devenu des réponses pour moi. Ces trois choses, ce sont devenues des réponses pour moi. 돼요. N'est-ce pas? 여러분 집에 일어나는 게 전부 사명이란 거 알아요. Alors, ce qui se passe dans votre famille, tout ça devient des, ça doit devenir des commissions pour vous. 닮아가. Sinon, vous allez devenir comme les parents. 나는 아버지처럼 안 살아야지. 꼭 그대로 닮아가. Ils vont dire, je ne vais pas vivre comme mon père, mais vous faites la même chose que votre père. Je ne vais pas vivre comme ma mère, mais vous faites la même chose que votre mère. Si vous comprenez cela, vous allez, ça devient votre commission, vous pouvez tout changer. C'est tout. Et ça, tout doit commencer par ça. Satan, les attaques de Satan commencent par là et puis les bénédictions de Dieu commencent par là aussi. Les remnants doivent se souvenir de ça. Conclusion. Les remnants sont les plus importants. Alors, l'image de Dieu. Deuxième. En fait, les études. Et verset 28. 하나님이 인간에게 처음으로 하신 말씀. C'est ce que Dieu a donné comme la première parole. 다스리라. Et de dominer que 땅을 다스리라. Et assujettir. 처음으로 하신 말씀. Et c'est ce qu'il a dit en premier. 말씀을 주신 적이 없어.
La première part qu'il a donnée, c'est de dominer et être fécond et d'assujettir. Vos études ne doivent pas créer d'inquiétude. Ça va devenir des évidences à l'avenir. Des études, c'est pour vous donner des évidences 그래서, pour l'avenir. 하나님이 만드신 나, 나의 것, 나의 현장만 Dieu a créé, et puis les choses que Dieu m'a données, il faut trouver le terrain que Dieu m'a confié. 공부 1등하고 이거 못 찾았다. Si vous êtes le premier de la classe et vous n'avez pas trouvé ça, c'est vraiment la vanité. 반대로 공부 꼴찌 했는데 이거 찾았다. Alors si vous êtes le dernier de la classe, mais vous avez trouvé ça, mais vous allez réussir finalement, 그렇잖아요. N'est-ce pas? 아니 내 학업이 고생되고 어릴 때 한 게 아무 증거가 없다. Vous avez fait des études, vous avez beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas d'évidence, c'est vraiment un échec. Vous avez fait l'université Saint-Saul de Séoul, vous avez fait Harvard, vous n'avez pas aucune, vous n'avez aucune évidence, c'est un échec. Alors, vous n'avez pas les bonnes conditions, vous avez étudié en province, tout ça, mais vous n'avez pas fait des études très poussées, mais vous avez... Vous avez des évidences, c'est ça le vrai succès. Vous avez fait les études aux États-Unis, en Europe, dans les bonnes conditions. Si vous n'avez pas en fait, les évidences, à quoi ça sert? Les remnants, vous devez vous souvenir que vous devez connaître la prière. Et vous allez pouvoir construire la tour. 그러면 여러분이 어디에서도 괜찮아요. Ça peut être n'importe où. Ce n'est pas un problème. 전국 세계 우리 렘넌트들. Les remnants qui sont dispersés dans le monde. 우리에게는 갈등도 있고 어려움도 있습니다. Nous avons beaucoup de conflits et de difficultés. 그것 때문에 여러분들이 무너질 이유는 없어요. C'est pas à cause de cela que vous allez vraiment vous écrouler. 꼭 착각해도 됩니다. Il peut y avoir des illusions parfois. 최고의 사람이다 착각해도 돼요. Il faut vraiment penser que vous êtes 왜냐? La meilleure personne du monde. Parce que vous êtes enfant de Dieu. 나는 반드시 승리할 수 있다 착각해도 됩니다. Vous pouvez vraiment triompher. 착각 아니니까요. Ce n'est pas une illusion. 왜냐? Parce que vous êtes des remnants. 이 remnant라는 단어는 굉장히 중요한 단어. C'est très important ce mot. 남은 자. Qui sont restés. 여러분들 앞으로 많은 사람들을 남겨야 되기 때문에 vous devez 남은 laisser beaucoup de personnes parce que c'est pour ça que Dieu vous a appelé en tant que ceux qui sont restés. C'est cette alliance et attendez. Vous allez attendre ce que le Père a promis. C'est le dernier mot, c'est pas la dernière parole de Jésus. Vous allez saisir l'alliance et la promesse de Dieu et attendez. Dieu merci. 전국 세계 우리 렘넌트들에게 하나님의 참된 언약을 허락해 주옵소서. 틀린 것 붙잡고 고생하는 기성세대를 살리게 주옵소서. 응뚱한 것에 고난당하는 학교를 살리게 해 주옵소서. Ils enseignent des choses qui ne sont pas dans la bonne direction. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.